Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un petit serveur bien sympathique. Alors c'est pas... je voulais faire sur un serveur Skyblock et j'ai trouvé un Skyblock qui change de l'ordinaire. En fait c'est un Waterblock. Alors qu'est-ce que c'est? On va être au milieu de l'océan sur une île et on va devoir survivre et développer, il y a des challenges etc. Du coup on est sur le serveur Earth Sky. Alors là il n'y a pas beaucoup de gens parce qu'en fait c'est un serveur composé en plusieurs petits trucs. On va tout de suite aller sur mon île. Voilà, alors je n'ai pas commencé. Et du coup, à chaque fois que j'allais dans l'eau, ça me prend, je vais prendre des dégâts. Donc l'objectif, ça va être de s'étendre tranquillement, en prenant le minimum, enfin en faisant le maximum de challenge. Voilà, on va faire ça tranquillement. Du coup, je vous invite à venir sur ce serveur. Il y a l'IP du serveur qui est dans la description. Je vais vous faire ça dans, la, je vais vous mettre l'IP dans la description. Et puis du coup, voilà. Tac. Alors, on va prendre un petit peu de sapling. Et du coup j'essaierai de faire des trucs stylés, hein, du style des accélérés, des petits timelapses parce que je ferai des usines géantes de canne à sucre, des trucs comme ça. Et voilà, l'objectif sera vraiment de faire un truc assez grand, essayer de faire une ville, un petit pas forcément une ville mais un petit truc sympa, où vous pourrez venir vous-même quand vous viendrez sur le serveur, vous pourrez vous TP à mon île, et je vais pouvoir faire un petit truc où vous pourrez vous TP. Voilà, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite commencer, je crois que j'ai des kits, j'ai regardé mes kits. Voilà, j'ai quelques kits. Du coup, je vais prendre les kits tout de suite. Hop, étant donné que je suis youtubeur, j'ai quelques kits sympas. Alors, j'ai le kit vampire. J'ai le kit redstone. Et j'ai le kit mineur. Voilà. Alors, je vais tout de suite ranger tout ça là-dedans. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Un petit peu de cobble et tout, ça va être pratique ça. Un petit peu d'argent, donc l'argent c'est de l'ambre, il y a plusieurs types d'argent là-dessus. Tout simplement il y a l'ambre et le topaz, donc on peut acheter des items avec ça. Après il y a les coins, donc les coins on peut acheter des spawners, des trucs comme ça. Et ça les coins c'est plus chaque jour sur le hub. Il y a tout ce qui est kit et tout, c'est... Et franchement j'aime bien ce serveur, je trouve ça sympathique. Ça fait quelques jours que je suis dessus. Voilà voilà. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va essayer de clean up toute l'eau là. Avec la redstone, la base. Et ben ça ne fonctionne absolument pas. Est-ce que je déploie? Ah oui, j'ai de la cobble. Autant l'utiliser, hein. Tac. On va clean up ça. Ah, par contre, la canne à sucre qui va sauter. Du coup, on la récupère tout de suite. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, nickel. On va faire tout de suite un petit peu d'items. Puis replanter quelques arbres. Hop. Hop, tac, 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 mes saplings, elles sont là. Hop. On essaiera de faire quelques petites usines, sûrement la prochaine fois. Moi, on va juste installer, hein, tranquillement. Hop, tac, tac, on fait... Ah non, j'ai déjà une pioche en diamant avec le kit mineur. Oh, c'est parfait. C'est parfait, ça. Hop. Et du coup, j'ai mon coffre là. J'essaierai d'organiser un petit truc sympathique. Je pense pas laisser tout ça sur de l'herbe comme ça. Je pense plus faire un truc en clay. Avec des énormes blocs, genre un bloc pour le cactus, avec une ferme à cactus géante, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'essaierai de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi s'étendre, je pense qu'on va s'étendre un petit peu. Quoique, j'ai un petit peu d'argent, on peut acheter de la clay, je pense, ça peut être cool. Slash achat. Achat étant maintenant, ça revient plus tard. Ok, du coup, faut aller sur le spawn. Directement au spawn, il y a des villageois. Qui vont vendre des trucs. Alors, objet rare, Nathaniel le PNJ, Ernesto Glouton, antiquaire, collectionneur, éleveur, jardinier, agriculteur, mineur, c'est pas lui. Je crois que c'est constructeur qui vend ça. Tac, ouais, voilà. Ah oui, 3, 1 clay. Ah oh, c'est cher. D'accord. Bon, bah, du coup, pour le moment, on va peut-être pas faire de la clay. Hein. On va rester sur de la. Ah ouais, et c'est cher. Ah, il y a ça qui est pas cher. Bah, du coup, je pense pour moi, on va rester sur de la cobble. Écoutez. Slash yes. Tac. Puis on va faire, ouais, on va faire un petit truc en cobble. Hein. Tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ça sera surtout du farm, je pense. Et quand je farmerai, je ferai ça en off pour pas que ce soit trop relou. Hop. On va essayer de faire un champ géant pour cet épisode, je pense. On va faire ça. Ça peut être cool. J'aurais besoin de pas mal de trucs. De bouffe pour les objectifs. Du coup, je pense à commencer par ça. On va essayer de clean toute la zone. Hop, on va récupérer des graines.
nickel. Alors, hop, voilà. On enlève ça. Je pense que ça, on va enlever. On va genre faire un petit contour. Du style... hop, 1, 2. Hop, 3. Comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sens le coffre là, on va l'enlever aussi, on va le mettre au milieu. Bon, par contre, le cheval, il me fait yesh, hein. Il commence à me saouler. On va le tuer. Merci. Fait du cuir. Est-ce que j'ai de quoi faire un coffre? J'ai de quoi faire un coffre, nickel. Alors par contre, je pense qu'il va pas mettre de mobs. C'est une probabilité envisageable. Du coup, je pense qu'on va torcher tout de suite. J'ai 32 torches. C'est nickel. Hop, on va pouvoir torcher. Hop, 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 hop. Voilà. Torche à milieu aussi. Tout ça. On n'aura aucun problème de mob. Hop. Voilà. Alors, au niveau du rythme de vidéo aussi, parce que ça, c'est une vidéo que je trouve maintenant que j'ai passé le bac. Alors, faut savoir que je vais pouvoir vous sortir beaucoup plus de vidéos maintenant. Je vais essayer de vous sortir une vidéo par jour pendant les vacances. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Ça me donne bien envie, j'ai vraiment envie de faire ça. Du coup, je vais essayer de vous sortir une vidéo par jour. Que ça soit sur Cranorcraft, sur une série qui a d'autres revenir, disons, dans pas longtemps. Hein. J'ai pas la date précise, mais dans vraiment pas longtemps, elle va revenir. Une série que vous attendez sûrement. Vous verrez bien. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, ça arrive bientôt. Hop. Ah, juste. Ok. On va mettre un petit coffre ici. Hop. Hop. Il y aura aussi sûrement encore une autre série, cette fois PVP. Faut juste que j'organise tout ça et on pourra la lancer. Donc ça, pareil, ça arrivera probablement bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme série que je peux vous annoncer? Il y aura sûrement des petites maps, des trucs comme ça. Il y a des serveurs qui m'ont proposé de faire une vidéo sur leurs trucs. C'est des serveurs qui sont encore en développement, mais c'est des trucs qui peuvent être bien sympas. Donc je pense que je vous montrerai un petit peu tout ça aussi. Hop, hop. Alors faut savoir que ce serveur, c'est pas le cette série, c'est pas le serveur qui m'a contacté pour le faire. C'est moi qui, en fait, je me promenais. Puis j'ai vu ce serveur comme ça au pif un petit peu. Et franchement, j'ai bien aimé le. Comment ça s'appelle? Tous ah, j'ai pu parler. J'ai bien aimé les skyblocks qu'ils proposaient, parce qu'ils sont variés. Il y a pas mal de trucs personnalisés qu'il n'y a pas sur les autres. Bah, du style j'ai mis ça à la main. Du style, justement, tout ce qui est ce truc de shop là, il y a pas, il est vraiment varié. Il y a pas mal de challenges. Le water block là, il y en a pas, j'en ai jamais vu sur d'autres serves, donc c'est pas mal. Hop, je vais l'enlever à table de craft. Et puis puis voilà, vous verrez bien. Franchement, le staff est très accueillant et tout, c'est vraiment cool. Et attention, c'est ouvert aux craqués aussi, donc ça, vous pourrez venir. Ceux qui sont en crack et qu'on en marre de pas pouvoir aller sur des serveurs, vous pourrez venir. Voilà, de toute façon, vous avez l'IP dans la description. C'est à partir des versions, je crois que c'est en version 1.9, 1.10, 1.11, tout ce qui est comme ça. Hop. Juste enlever ça. Tac, merci. Nine. Et voilà. Hop. Est-ce que j'ai des graines? J'ai des graines. On va planter la petite graine. Et voilà. Hop. Nickel. Est-ce qu'on mettrait pas 2-3 trucs sur le bord de l'eau là? On va peut-être essayer de mettre 2-3. Ah, j'ai plus d'heures déjà. Ça va être vite. Pris, tac, voilà. Alors, on va mettre East Level pour voir le niveau de notre île, niveau 5. Ok, alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir un petit peu ce qu'on a comme challenge. Alors, hop, hop, parce que faut savoir que j'ai fait, moi, mon île que j'ai faite, je l'ai faite sur le Easy. Du coup, c'est vachement différent hein, au niveau. Déjà, vous là, on est dans l'eau, alors que dans le Easy, c'est vraiment le skyblock classique hein, que vous connaissez. Alors, il va falloir que je mette un bloc de verre et je le casse, je crois. Du coup. On a un petit peu de sable, on va faire quelques fours. J'ai pas pris de four, puis on va poser notre table de craft aussi. Pourquoi elle est pas posée celle-là? Hop, on va faire 3 fours tranquillement. Hop, nos petites rondes de 3 fours. 1, 2, 3. Nickel. Où est-ce que j'ai mis ma torche? Là, voilà. Et j'ai pété les cultures, merveilleux. Hop, notre petite graine. On va pouvoir du coup faire cramer 2-3 trucs. On va faire cramer ça. On va faire cramer. J'ai qu'un de fer, c'est triste. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif?
Alors faudra du cactus. Alors ça, pour le cactus, je ferai des fermes à cactus, hein. Alors ça, voilà, j'ai pu le faire, du coup, il me fallait que je fasse... il fallait que je pose une table de craft, pour vous savoir, franchement. Ça, il va falloir que je rapporte 64 pouces de chêne, ça va être un peu plus chiant. Alors, deux stacks de carottes, ça passe, ça va. Patate, full fer. Alors ça, après, ça va être les niveaux d'île, il va falloir que je monte les niveaux d'île. Donc des trucs que je ferai plus tard. On va faire notre petit truc qu'on avait à faire, là, c'est-à-dire notre verre, on va poser notre verre, puis on va le casser. Comme il faut faire. Hop, on écoute bien, hein. On est sérieux. Hop, et normalement je devrais avoir le fly, je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je regarderai, je demanderai, mais oula. Normalement, ouais, voilà, j'ai pas accès. Alors que sur les autres serveurs, je l'ai, je demanderai si c'est fait exprès. Voilà. Alors, Sash Challenge, il faut que je le casse, c'est ça? Ah, ou faut que j'aille dans mon inventaire là? Merde. Ah, faut que j'aille dans l'inventaire, triste. Hop. Hop. On va mettre notre verre ici. Ça peut servir, hein. Je l'ai fait au pif parce que je sais que ça pourrait servir à un moment ou à un autre. Puis après je verrai ce que je vais faire. Je pense que j'éteindrai un petit peu encore l'île sur les côtés. Hop, histoire de faire un truc assez grand. Étant donné qu'on peut pas aller dans l'eau, que ça nous fasse un petit espace de vie. Ouais, voilà, il fallait juste que j'ai un verre dans mon inventaire. Et du coup je gagne de l'argent à chaque fois que je fais les objectifs aussi. Voilà, après ça c'est les objectifs, il va falloir que je fasse beaucoup plus de challenges, hein. 30 avancées, 4 hélices et tout, pour les débloquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais acheter des graines. Du coup, il faut que je retourne au spawn. On va acheter des graines de pastèque et tout, étant donné qu'on n'a pas de base. Alors, c'est par là-bas. Bonjour monsieur, toi tu vends des objets... Non, toi t'achètes des objets rares. Le glouton, c'est pas toi. Antiquaire, c'est pas toi. Collectionneur, c'est pas toi. Éleveur, jardinier. C'est peut-être bien lui. Alors voilà, c'est pour voir les différents types de bois. Ah, ça c'est cool. On va pouvoir vite fait faire pousser nos trucs. Je vais en prendre pas mal de stacks. C'est vraiment pas cher en plus. Il y a moyen de faire un truc avec ça, hein. Je pense qu'il y a moyen. Avec son engrais à lui. Alors, lui il vend de la pastèque. Ah, des carottes. Il va en falloir. On va prendre 3. 2. Hop. Les patates aussi, on va prendre 2. Hop. Cacao, on sent pas un peu les cacahuètes, hein. On va prendre 2 plantes. Un plant de watermelon, un plant de pumpkin, et puis on va reprendre. Et... Oh, on peut prendre. Ah oui, non, il faut des topazes alors que j'ai que des ambres. Il va falloir que je les convertisse. Alors, je vous montrerai un petit peu après comment qu'on fait pour convertir tout ça. Par contre, là, ce que je peux faire, histoire d'avoir pas mal de trucs, je vais reprendre encore un petit peu de bonne mille. Voilà. Puis je verrai un petit peu. Je vais laisser ce qui me reste en ambre. Voilà. On va planter nos patates. Hop. Et nos carottes. Hop. On va mettre des pastèques. Non, hop. Nos pumpkins ici. Nos pastèques ici. Ici, on va pouvoir mettre des autres trucs au pif. Hein. On verra bien. Limite, je vais mettre directement nos cannes à sucre sur leur bord. Hop, hop. Hop, histoire que ça pousse un petit peu. Là, je remettrai sûrement un plant de pastèque ou de je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Je vais faire pousser du coup. On va faire pousser tout ça. Histoire d'avoir peut-être quelques challenges plus, hein, écoutez. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. En tout cas, dites-moi si ça vous plaît. Je ferai peut-être des vidéos, des épisodes avec les abonnés si vous venez sur ce serveur. Hein, pourquoi pas, on peut faire des trucs sympas. On verra bien. Hein, faire des trucs, on peut faire du PVP, des trucs comme ça. On verra. Donc n'hésitez pas à vous venir sur ce serveur. Franchement, je suis beaucoup plus sur le easy. J'aime bien comme ça pour en détente. Là j'ai fait des méga usines à cactus et tout. Je vous montrerai peut-être mon île à l'occasion. Je verrai. Tac. Mais je penserai que sur cette île du coup. Hop. On va remettre un petit peu de patates. Et de carottes. Tac tac tac. Hop. Hop hop. Je pense que je fais beaucoup farmer aussi en off. Dites-moi si ça vous gêne que je farme beaucoup en off, des trucs comme ça. Ça risque d'être long, hein, sinon. Clairement, après je peux voir déjà avec mes kits, hein, les moyens que je viens, si je viens chaque jour avec les kits, ça peut aller beaucoup plus vite. Hop, je ferai aussi des usines vite fait, du style, vous voyez là, avec ma bonne mille. Je suis obligé de faire ça à la main. Je ferai peut-être une usine où j'ai juste à mettre la bonne mille et hop, ça se fait automatique. Hein. Il y a peut-être moyen que je fasse ça, ce sera beaucoup plus rapide. Limite, je pense que je ferai ça pour le prochain épisode, je verrai ce qu'il me faut et puis je ferai ça en.
en accéléré sûrement pour le prochain épisode, histoire d'avoir une machine automatique pour tout ce... pour tout ça. Alors, il nous faut encore de la bonne mille. Hop, 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 et là, on a déjà des bons petits champs. Hop. Alors par contre, j'aimerais bien que le bois pousse, ça peut être cool. Hop, les patates et les carottes. Voilà, je vais tout replanter une dernière fois. Je vais garder la bonne mills, comme j'ai dit. Et puis, je sais pas, on a combien de temps d'épisode là. Tac. Hop, on va refaire ça tranquillement. Tac. On va regarder un petit peu ce qu'on a comme challenge. Et hop. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre pour cet épisode. On va voir un petit peu. Hein. Écoutez. Hop, c'est un peu de l'exploration. Alors, challenge. Ouais, c'est vraiment des trucs qu'on peut pas trop faire pour le moment. Donc ça, c'est à voir après. Je farmerai sûrement. Et on a, je crois, des trucs avec le slash menu. Voilà, on peut aller dans le nether. Donc pourquoi pas y aller à un moment ou un autre. Ça c'est les grades, donc on s'en fout. Ça c'est pour gagner des clés. Voilà. Des questions. Ah, le jump. Regarde le jump. Il est où le jump? Début du jump. Oh là là. Il y a l'air long. What? J'ai pas compris. Mais elle est où l'arrivée? Il est où le début? Bon, je sais pas. La question du siècle, je ne sais pas du tout. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. On va retourner sur notre île. Hein. Écoutez. Et puis, on va mettre fin à l'épisode, je pense. Hop. Ouais, je pense, du coup, prochain épisode, je ferai des usines. Les petites usines à blé et tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu cet épisode. Et puis, nous, bah, du coup, on se dit à bientôt pour la suite de Earth Sky Waterblock. Allez, ciao, ciao!